Et bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Firo et salut Accro. J'espère que ta main va mieux, que tu te remets tout doucement. Et j'espère également les amis que vous avez passé une très bonne journée. Nous sommes le lundi 22 avril et bonsoir Conrad, comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Et on a du lourd, du très très lourd, puisqu'on a la deuxième bande-annonce de Deadpool 3 qui vient de sortir. Du coup, on va aller voir ça ensemble juste après, une fois qu'on aura un peu plus de monde. J'ai 40 squats à faire. Donc, on va aller les faire maintenant, comme ça, c'est fait. Allez. Allez, c'est parti. 1, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 4, 25, 6, 7, 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Allez! Eh bien, je les ferai plus tard, accro. Faut éviter la choucroute avant un début de live comme ça, avec les 40 squats. Ça risque de laisser des traces. Tu sais pas, accro, est-ce qu'il est là? Et accro, il y est pas. Salut Turbaran! Ex-Friend Studio. Putain. 76 570. Voilà, t'es là. Voilà. Ah si, c'est bon. Hop. Voilà, accro, t'es sur le mur. Comment ça va, Turbaran? Bon, il faut qu'on fasse un truc vite fait avant. Mode studio. The other secret cause. Alors, excusez-moi, hein. Je suis en train de régler ça justement. Voilà.
Comment allez-vous tous les amis aujourd'hui en cette magnifique journée? J'espère que vous avez eu du beau temps. Moi ici, on a eu du très beau temps. Ce matin, j'ai pu m'occuper de mon jardin et de ma terrasse. Et après, cet après-midi, on a bougé un peu avec ma petite femme. On a été se promener vite fait. Il y avait des choses à faire. Du coup, pas de peinture pour moi aujourd'hui. Mais on les fera demain. Ce soir les amis, on va vite faire regarder la bande-annonce de Deadpool 3. La deuxième bande-annonce, donc si vous ne l'avez pas vue, bah, je vous invite à regarder. Je vous mets le lien également dans la description, comme ça vous avez le son également avec. Hop. On va couper la musique. On va basculer en mode peinture. Et on va aller regarder ça de suite. Attendez, j'enlève ma cam. Voilà. Il est classe ce Wolverine. C'est Cassandra Nova, les gars. Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut revenir vite en arrière? J'ai vu un truc là. On est d'accord, c'est Giant Man. Donc Ant-Man, mais version géante. On en parle là? Il y a le crâne en dessous. Il y a le crâne en dessous. Encore une fois, vous la reconnaissez ou pas? Est-ce que vous la reconnaissez? C'est-à-dire qu'il est mort dans un des multivers. Après, si je dis pas de conneries, potentiellement le multivers où il est mort, c'est l'univers de Old Man Logan. Techniquement, où c'est la suite de Civil War, en fait, où ils sont foutus sur la gueule. Et voilà, du coup, Giant Man est mort à ce moment-là. Mais cette voiture-là, vous la reconnaissez ou pas? Si je vous dis Captain America, First Avenger, c'est la voiture de crâne rouge. C'est la voiture de crâne rouge
Et est-ce que vous voyez le logo qui est à la place du logo d'Hydra? C'est la tête d'Iron Man. Et effectivement, quand on... Et ici, je sais plus à quel moment, mais on a potentiellement le méchant de l'histoire. Celle qui dit, qu'est-ce que c'est bête un garçon? Vous allez voir vite fait, elle. C'est Cassandra Nova, les gars. Cassandra Nova, dans Marvel Crisis Protocol, elle est avec la team des Sentinelles. Cassandra Nova. Dogpool. Et si je dis pas de conneries, mais vraiment, si je dis pas de conneries, lui là, c'est Hawkeye. Si je dis pas de conneries. Mais il y a des chances que j'en dise. Ça là, ça vous rappelle rien les gars? Je pense que ce film va être démentiel. J'en mettrai ma main à couper. Ce film va être monstrueux et je pense qu'il va être le film qui relie tout. Et elle, pour information, donc la mamie aveugle, elle joue dans la série Fallout. Elle joue dans la série Fallout, et en fait c'est la nouvelle régente de l'abri 33. Salut Torm! Il va être monstrueux. Ça va être bon. Ça va être très très bon. Alors j'envoie juste un message à ma petite femme. Excusez-moi. Non mais oh là là. Tac, hop. Tiens ma doudou. Comment ça va mon petit Tormounet? Tormounet. Tormounet. Donc effectivement, ça va être du grand n'importe quoi ce film, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ça peut être bon. Ça peut être bon. Bon les amis, en tout cas j'espère que cette petite bande-annonce vous a plu. Moi elle me hype de fou, hein. De toute façon il n'y a pas photo. Ce film me hype de dingue. De dingue, ça va être une dinguerie ce film. Et il me tarde
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ce soir, peinture Space Marine. On va faire du bleu. On va peindre de l'ultramarin qui va aller très loin, très loin, très loin. Ah, c'est bien. Voilà. Hey, salut le grand singe, comment ça va ? Bah écoute, ça va au top. Ça va au top. Allez, je vous emmène avec moi. Allez, viens, je vous emmène au vent. Experience to be Hop. Alors attendez, hop, tac, je mets ça de côté. Two pieces. This is my last thought. Suffocation, no breathing. Donc, voilà ce qu'on a prévu ce soir. Donc, avec les petites runes là qu'on va essayer de faire, qu'on va essayer de pimper au maximum. Voilà, donc on va faire là l'espèce d'archiviste avec toutes ces runes sur l'armure. Je voulais le peindre depuis longtemps et en plus ça fera plaisir à Mef. C'est pour sa boîte Léviathan. Et le visage à part, bien évidemment. Allez. On va commencer avec un petit peu d'encre. Et on va essayer, on va faire un espèce de pré-ombrage à l'encre. Allez, c'est parti. Non, c'est moi que je suis pas centré, accro, t'inquiète. Salut Max! Comment vas-tu? Ah non, c'est clair que je vais pas faire de croix sur mon tapis.
T'as passé une bonne journée, Max? Bah, tout le monde, d'ailleurs, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Ah, nice. Bah, je te cache pas que ma journée aussi est passée vite, puisque j'étais pas mal occupé. Ce matin, comme j'expliquais, je me suis occupé un petit peu des mauvaises herbes, j'ai passé le rotophile. Et merci sur iCat, merci infiniment pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Bienvenue, bienvenue! Au taf de 7h30 à 17h, donc bof. Mais ouais, bon, je me suis levé à 6h, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Demain matin, faut que j'aille à la salle de sport. Je pense que je vais y aller à partir de 9h pour essayer de voir quelqu'un là-bas. Que je puisse commencer mon programme Be a Monster, devenir un monstre. Où c'est qu'il est mon pinceau dégueu? Et du coup demain soir les amis, pas de live hein, puisque je suis en soirée association. Ah nice. Donc demain soir, il y aura sûrement du 40K, du MCP. Moi, tranquille, pas fait grand-chose à part Netflix. Ah ouais, du coup, tu peux pas jouer, quoi. Du coup, j'ai fini de manger et je finis de monter mes 5. Nice! Moi, j'ai retrouvé mon Infinity CR+. Vous savez, et quand je l'ai nettoyé à fond, il a pris, je crois, 600 secondes de bac à ultrasons. Ouais, normal. 600 secondes de bac à ultrasons, il a pas bougé. Je pensais que ça allait être nettoyé parce que c'était tout vide à l'intérieur, et en fait, bah non. J'ai un souci de pression en fait avec l'Infinity CR+, et on m'a dit que ça potentiellement ça pouvait venir de la presse étoupe, qui était un petit peu potentiellement encrassée. Le problème c'est que bah, j'ai niqué en fait le pas de vis de la presse étoupe, donc pas le pas de vis mais la tête de la presse étoupe, donc je peux plus l'enlever. Je peux plus l'enlever, donc je suis obligé d'acheter un corps d'Infinity. Et bah ça coûte cher quoi. Ça coûte cher. Donc là on va passer du Dark Prussian Blue. On va faire une base. Salut Sip, on va faire la base en fait de notre Space Marson. Vous allez voir. Comment ça va, Sip? Je vais Discord. Ouais, pas ce soir, moi, tu sais, c'est pas radio libre. Du coup, pas de Didi pour moi ce soir. Peut-être après le live, sur les coups de 23h. Thank you.
Putain, ça tape bien l'ancrage, j'aime bien l'effet que ça fait là déjà. Grosse semaine de boulot, je profite de peindre un peu. Eh ben t'as bien raison, écoute. On est d'accord, hein, ça donne déjà un effet pas mal, hein. Ouais, je trouve que juste avec l'encre en fait et la base, je trouve que ça rend déjà super. Mais on n'a pas fini, il faut faire les éclaircies. Est-ce que ça reste du Space Marsouin? Avec le Space Marsouin, c'est quelque chose quand même d'assez éclatant. Hein, c'est le fer de lance de l'armée et de l'empereur. Bah, les encres AK, franchement, je les trouve magnifiques. À l'avenir, je m'achèterai le pack avec toutes les encres. Comme ça, je peux faire, bah, par exemple, pour le Space Marine, je peux faire une sous-couche noire, pré-ombrage à l'encre blanche, et après venir passer de l'encre bleue pour faire ressortir encore plus les éclaircies et tout. Et je pense qu'avec 2-3 Edge Lightning, je pense qu'en tabletop, ça va être largement suffisant, quoi. Il y a qu'à voir, et le miniaturista avec ses Votan, c'est comme ça qu'il a fait, c'est magnifique. Ça rend super bien. Après aussi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des petits... ce qui lui ressemble vraiment le mieux, c'est ces petits pchits de lumière. C'est incroyable. Je vais essayer de refaire la même chose, mais... C'est point gagné. On se débrouille à niveau peinture, mais de là à avoir le niveau de miniaturista, pas sûr encore. Puis je pense qu'il va falloir que je revoie ma recette aussi du NMM avant de recevoir la grosse commande parce que je suis vraiment pas sûr quoi. Comme j'expliquais vendredi ou samedi, comme j'expliquais samedi, en fait j'ai pas trouvé encore la recette NMM Gold qui me convient, tu vois. Ouais, il est incroyable, il est incroyable. Je suis sur Insta, je l'ai supporté sur Patreon pendant quelques mois. Et ouais, il est vraiment incroyable, ce mec. Après, quand tu vois ses peintures avant 2020 et maintenant... Bon, déjà, il a pris un up de fou. Mais tu vois bien que son truc à lui, c'est les OSL et que c'est ça qui fait tout, quoi. Tu vois, c'est incroyable ce qu'il fait. Ah, attendez, je crois que ça c'est un petit peu bouché. Excusez-moi.
Oh, c'est long. Faut que j'essaye le NMM à l'aéro. Alors, ouais, pour moi, je suis pas chaud du tout en vrai. Moi, ça me fait un peu peur l'aéro, enfin le NMM à l'aéro. J'ai jamais eu l'occasion de tester. Ouais, ouais, carrément. Bah, comme je t'ai dit, de toute façon, j'ai jamais eu l'occasion d'essayer. Donc, je sais que Da Vinci, il en a fait sur Obi-Wan Kenobi. Là, sur tout le plastron, il a fait un NMM. NMM argent. Pff, il commence au pinceau, il finit à l'aéro. C'est incroyable. Ouais, et puis, je suis pas assez bon sniper là-dessus. Donc là, on passe du medium blue pour les petites pointes de lumière, enfin pour commencer notre première éclaircie. Mais ouais, je confirme, c'est chaud de ouf. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai pas vu celui-là, tiens. Ouais, j'ai pas eu l'occasion après de tout voir non plus. Allez! On va reposer les premières lumières. Ah, les encres, grand singe, tu peux y aller les yeux fermés, hein, franchement incroyable. Encore une fois, un très bon produit de chez AK. J'ai pas réussi à faire. Ah, ok. Ah oui, t'as quand même essayé, incroyable. Moi, j'hésite à prendre aussi les Striking Grim. Le Striking Grim, j'en ai. Franchement, c'est pas mal si tu veux faire du Grim Dark. J'en ai, moi, j'ai pas de la cage, j'ai la version MIG. Et franchement, terrible aussi. Par contre, c'est de l'huile, donc ça met beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps à sécher. Après, je sais pas s'ils ont fait une version acrylique. Et moi, je sais que celle que j'ai, c'est une version à l'huile et très long à... Très, très long à sécher. Ouais, moi je prenais de la térébenthine. Je prenais de la térébenthine pour enlever le surplus, tu sais. Ce que tu fais en fait, ce que je faisais moi quand je faisais du Grimdark à l'époque, c'est qu'une fois que j'avais fini de peindre mes figurines, je badigeonnais entièrement de Grimdark, de Striking Grim. J'attendais que ça sèche.
Et après, je venais passer avec un coton-tige sur le surplus, genre les, bah, sur le dessus des bras, pour que ça soit moins agressif à l'œil, tu vois. Et ça donnait un effet assez sympatoche. Sinon, il y a une autre technique qui est pas mal du tout, qu'on m'a expliqué pour les nécrons. C'est-à-dire que vous prenez votre nécron, vous basez en noir, ensuite vous faites un gros jet d'aéron en orange. En orange, hein. Ensuite, vous passez une couche tout entière de métallique. D'accord. Et une fois que c'est sec, vous la bombez à la laque. Vous bombez votre figurine à la laque et vous attendez que ça sèche. Une fois que c'est sec avec un pinceau propre et de l'eau, vous venez frotter les endroits où vous voulez que la peinture s'en aille. Et en fait, dessus, ça va faire comme un effet de battle damage et ça va laisser apparaître le orange que vous avez peint derrière. C'est trop cool comme technique. Merci à JT d'ailleurs de la boutique Games de Pau qui m'a soufflé l'idée. J'ai jamais encore essayé, mais l'idée me paraît quand même assez folle, quoi. Allez, on va passer au deuxième éclaircissement. Donc là, maintenant, ça va être du Ducat Blue. Voilà. Qu'on va mettre en plus petite quantité, du moins en plus petite zone. Nice. Ben moi là sur la figurine du Viking là, ça y est, elle est sur socle, il me reste plus qu'à faire le tatouage. Hey, retombe. Bah ouais, toi. Bien sûr que ça filoche, tranquille, et toi. Allez, c'est éclairci maintenant. Ouais, c'est bien. Faut dire à Zekios de l'installer. C'est cool. J'ai pu comprendre aussi que les persos avaient des pouvoirs, c'est ça? Moi, je bloque sur mon NMM, j'ai l'impression qu'avec du recul, les traits ne sont pas assez fluides. Ouais. Je trouve aussi. Après, il est très joli, mais effectivement, les transitions sont vachement brutes quand même. Je voulais pas te le mettre à l'écrit, mais. Mais effectivement, ouais, les transitions sont vachement brutes. Je suis d'accord avec toi.
Bon, il est pas mal ce petit SM là, qu'est-ce que vous en pensez? Et il va nous rester une dernière couleur, vraiment les couleurs, il fallait. La teinte la plus extrême en fait, on va pas aller, on limite aller jusqu'au blanc. Ouais, et tu vois en fait ce que je te disais sur ton épée, il faut que tu aies vraiment un moment. Ton sombre, faut vraiment qu'il soit plus fin, plus petit que ça en fait. Parce que là, la zone elle est beaucoup trop grande. Du coup, c'est pas cohérent avec tes zones de lumière. Ouais, franchement, ça va venir. C'est avec la pratique, hein, mon poulet. C'est en pratiquant que qu'on devient pratiquant. Ça va venir tout seul. Ah, j'ai aussi, j'en ai profité aussi pour cacher un petit peu le socle de ma bestiole. J'en ai mis partout, comme ça moi je suis tranquille pour travailler pépère. Ouais, n'hésite pas à passer, repasser, repasser. Si ta peinture est assez fine, fais-toi plaisir. Hein. Comme j'ai dit, hein, c'est en pratiquant qu'on devient pratiquant, donc. Ouais, t'as le truc, je dis pas le contraire. Après, voilà, pense que. Il faut vraiment que ta zone sombre soit peut-être plus nombreuse, mais plus petite. Deep Sky Blue pour la fin, pour les derniers pcheats de lumière, vraiment les derniers, hein. On n'en fera pas plus, à part peut-être des petits edge lining à droite, à gauche, mais rien de. Je pense pas vraiment. Si vous voulez, si le schéma. Salut Koudel! Si vous voulez, je vous mettrai le schéma que j'ai utilisé pour dans les recettes. Si le schéma, du moins la façon que je fais, vous plaît pour le SM. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en troquant qu'on devient. On devient trop con. Qui est con.
Allez, on va pouvoir ranger du coup. Ah, ça, parce qu'on a fini l'aéro. Je nettoie et on passe au pinceau. Ouais, bah, nickel, bah, n'hésite pas. De toute façon, à partir du moment où vous mettez vos figurines, vos photos dans la rubrique autopsie, c'est que vous allez forcément recevoir des critiques, certes, mais des critiques constructives. Si tu veux, on pourra faire un petit review vite fait sur le live. Hein. Alors ça, hop, ici, on range un peu parce que là, c'est un peu le bordel. Je me suis dit, il y a dû laisser aller, monsieur. Tac, allez, on va faire le visage, comme ça on sera tranquille après. On pourra le remettre. Hop. Allez, c'est parti pour du Mahogany Brown. Mahogany, pardon. Bah, pas de soucis, écoute, bon courage à toi. Bonne nuit. To run my bicycle. Ah, ça, une autre fois, sans problème. I want to ride my bike. My bicycle, I want to ride my... Donc, Mahogany Brown. Et bonne soirée à toi, bon courage. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.
Ensuite, ouais, c'est trop près. J'arrive pas à gérer. Donc ensuite, on va prendre du beige raid qu'on va venir mélanger petit à petit, encore une fois, avec notre mahogany brown. Je sais qu'il est là le beige raid, mais ouf. Je vais le retrouver. Ah ben non, il était là. Je l'avais pas sorti. Allez, de nouveau, hop, du beige raid dans mon mélange. De nouveau du beige raid. De nouveau du beige raid. Donc là, on est quasiment au beige raid pur. Maintenant, on va mettre une pointe d'ivoire dans notre mélange. En vrai, je m'éclate vraiment à peindre cette figurine. À peindre ces figurines, c'est vraiment agréable. Donc, pointe d'ivoire dans mon mélange.
Oups. Maintenant que c'est fait, on va faire ce qu'on appelle les carnations. Donc les carnations, bah on va prendre du violet. Est-ce qu'on a comme violet qui peut être très foncé? On a du magenta ou du purple. On va prendre du purple. Et on va venir faire les carnations. Et on va diluer un petit peu. Donc le dessous des joues. Et on va faire la barbe. Enfin, la moustache, pardon. Ouais, c'est pas trop mal ça. On va le coller. C'est de toute beauté. Ah, merci Accro. Il rend bien dedans, je trouve. Et voyons avec ça. Évidemment, il fallait que j'en mette dedans. Voilà. Voyons comme il est dedans. Ouais, c'est pas mal, ça rend bien. Ça rend bien.
Ouais, c'est elle est bizarre cette fille. Elle est vraiment bizarre à monter. Limite, elle est chiante. Allez, on va faire un petit peu de nœud. Donc le Dark Sea Blue, le Fresh Blue, le Snow Blue et le Wheat. On va en profiter du coup. On va faire cette pièce aussi, tant qu'à faire. Du coup, ouais, alors le chapitre des Space Marines est pas mal intéressant. Hein, j'en ai entrevu un petit peu deux, trois choses qui pourraient être pas mal. Le seul truc, moi, qui me fatigue un peu, c'est. Ça reste une armée populeuse et je vous dis, comme j'ai expliqué, j'ai pas envie de repeindre 15 fois la même figurine. C'est un petit peu comme les Space Marines, comme les Tyrannides avec mon schéma quoi. J'ai pas forcément envie de m'en taper 15 d'affilée quoi. Bon, ça va être de l'argent. De l'or, pardon. Bon, ok. On va passer maintenant, on va poser les couleurs au Fresh Blue. Et hop, maintenant on vient ici sur les gros tuyaux.
I tried to yesterday. Maintenant, en Snow Blue, on vient mettre notre deuxième light. Ouais, très bien ce métal, ça commence à ressortir. Hey, merci infiniment, Biz200, 2000Biz2404, merci infiniment pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Et maintenant, au blanc pur, on vient y mettre des petits points de lumière. Comme des petits edge lighting. Tac. Pardon. On va faire autre chose aussi. On va y poser, on va faire les yeux. Donc les lunettes de vieux. À l'ivoire.
Les super lunettes. Mais ouais, mais elles sont trop bien. J'ai une idée. Regardez ce que j'ai. Est-ce que ce serait pas une bonne idée pour lui faire des éclairs qui sortent des yeux? Qu'est-ce que vous en pensez? En mode archi vénère quoi. Et de la hache aussi. Il va jusqu'au sol là. À y réfléchir. Mais je pense que ça peut être une très bonne idée. Faut réussir les éclairs. Oui. Bon, j'ai compris, Max, merci. Ok, maintenant ce qu'on va faire, on va sortir une coupelle. Et on va voir si ça marche aussi. Je vais essayer un truc vite fait. Est-ce que ça a marché? Ça marche. Mais mon pinceau est trop gros. Mais j'ai un autre pinceau.
que j'aurais plus de chance sur des... Salut Tatou! Ça va très très bien et toi? Ouais, ce soir c'est soirée Schtroumpf. On essaye un truc façon El Miniaturista. Merci.
Ah, nice. Non, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ah, ouais, j'ai pas fait attention. Je réagis à tellement de trucs en même temps. Et merci Obira pour le follow, merci infiniment. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Comment vas-tu? Ouais, ça me plaît vraiment de ouf, hein. Ça me plaît vraiment de ouf, l'idée est vraiment trop cool. Mais c'est chaud à faire. Moi, le mien, il se faufile pas tout seul dans les creux, quoi. Ah, c'est trop gentil. Ouais, c'est ça.
tout cas, ça marche bien. Hein. Merci. Dégradé, tout est fait à l'aéro là. Sur du NMM. Du non métallique métal. Exactement. Voilà, par contre là c'est chaud là. En dessous là. T'as intérêt de bien viser mon pote, hein, parce que là...
I want to break free. Est-ce que fini? God no. Et ben voilà. On a fait toutes les runes. Ouais, ça pète déjà. Hein. On va peut-être faire celle-là aussi, du coup. Like do. Oui, merci. C'est pas évident, hein. Ah, c'est mieux là. Salut Tenoch.
Ben putain, j'ai mieux réussi que l'autre, quoi. Ça fait combien de temps que je peins de la figurine? Pouah, ça va faire bientôt 8 ans là. Ça va faire bientôt 8 ans. Putain, comment vous trouvez? Ça pète, hein. On dirait qu'elle est allumée, quoi. Ouais, il y a des endroits, c'est pas fou, hein. J'ai commencé par du confrontation et après je suis parti chez 40K. Après je suis parti chez 40K, ouais. Non, ça va tout seul. Boah, c'est trop fat. Donc ouais, j'ai commencé par du Warhammer avec en même temps que confrontation, puisque j'ai fait du taux. J'ai commencé à l'époque où les taux du taux en fait, la première année où ils sont sortis. Je connais pas, mais ok, je débute sur du 40K perso, mais alors débute, hein, j'ai peint que deux figurines pour l'instant. Eh, hey, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. T'as commencé avec quoi? Des primaris, bah, c'est génial ça, c'est un très bon début. De toute façon, il n'y a pas à dire, pour commencer, c'est très bien. Les Space Marines. Et du coup, bienvenue à toi dans le hobby. En Black Templar, wow, alors là tu me parles. Là tu me fais plaisir.
Là, tu me fais plaisir. Les Black Templars. C'est une armée, enfin un chapitre que j'ai, que je kiffe. Que je kiffe, mais vraiment. J'ai pris un pied fou à peindre les figurines parce que je les trouve magnifiques. Ah, ils ont un univers, hein. Laisse tomber. Hein. Oh là là, c'est quoi ça? C'est pas beau. Ils ont un univers de malade, ça c'est clair. J'aime beaucoup le lore. Hein. Et bon courage à toi, bonne nuit accro. Et puis alors, ajoute à ça un fanatique complètement taré des Black Templars, c'est trop bien, j'avoue. J'avoue, les Black Templars, moi c'est. Mais je te dis, moi, quand j'ai repris 40K il n'y a pas longtemps, c'est l'armée qui m'a fait de l'œil. Et en plus, quand ils ont sorti leur boîte collector, j'ai fondu dessus, tel un vautour. Mais je suis pas encore joueur. Voilà, pour le moment, je fais que peindre. Salut Color! Pour l'instant, je suis que peintre en matière de 40K. J'ai encore un peu de mal avec le système de jeu. Ça va très très bien et toi? Ah bah nickel. Ouais, c'est particulier. Mais l'idée du jeu est pas mal. Juste, je pense, ça manque d'interaction pendant le tour de l'adversaire. Ouais.
Alors on va faire cette partie là et on aura fini. D'accord, Colin. Ben, ceci dit, de mon côté, je suis le seul à faire ça. Mes potes sont pas spécialement dans ce délire. Enfin, on fait avec. Tu es de quel coin? Parce qu'il doit y avoir des assos dans ton coin. Et merci, Arshp. Merci infiniment pour ton follow. N'hésite pas à prendre un thé, un café, un chocolat chaud et à venir t'installer tout près de nous. J'offre également les croissants et les chocolatines. Bienvenue à toi, Arshp. Ouais, du coup, tu es de quel coin? Tenok. Agde. Ah, bah oui, il y a du monde. Bah, Montpellier, déjà, t'as table rase. Et du côté de Sète aussi, tu dois avoir du monde. Hein. T'es pas très loin de Sète. Hein. Je sais, j'y ai vécu au Cap d'Agde, à Agde. Enfin, nous, on a vécu au Cap avec ma femme. Non, c'est ceux de la boîte Léviathan. Salut Suriket, Fareux, je viens de débarquer, masterclass ton setup. Comment ça, chocolatine? Eh ouais, mon gars, le sud-ouest. Du coup, Arche, non, c'est un Space Marine, c'est celui de la boîte Léviathan. Mais en fait, j'ai vu un schéma de couleur qui me plaisait bien chez El Miniaturista. Donc j'ai voulu faire la même. T'inquiète, il dirait Zintine aussi. Absolument pas. En fait, nous, on dit rien parce qu'on n'en mange pas. J'ai mes incubus à faire pour du perso. Ah, nice. Oh, moi j'ai que lui de la boîte Léviathan. Le reste c'est Mephaust qui l'a pris. On a fait moite-moite. Moi j'ai pris les Titi. Sur 4. J'aurais une question. Est-ce qu'on va pouvoir acheter la nouvelle Battle Force Orc? Oui, tu vas pouvoir. De rien, avec plaisir, Tenok. T'es le bienvenu. N'hésite pas à repasser. Ça fait toujours plaisir. Oui, tu vas pouvoir acheter la nouvelle Battle Tome à partir du moment où elle va sortir. Pour 40K. Je sais plus quand est-ce que c'est la sortie Orc. Je sais qu'Evie en avait parlé, je crois. Et j'ai complètement oublié.
Elle est, bonsoir à toi, du coup, Tenok. Ah, elle est déjà en rupture de stock, ok. Écoute, t'as regardé dans les petites boutiques? Parce que je sais que dans les petites boutiques, il y en a certains, ils en ont. Vois peut-être, tu sais, j'ai un partenaire qui s'appelle Rebelle Forge. Donc tu tapes point d'exclamation Rebelle. Et tu peux voir chez lui ou directement demain l'appeler, voir s'il peut en avoir de. Après quoi? Non, Rebelle. Pas Rubel. Non, non, t'inquiète, y a pas de souci. C'est drôle, c'est tout. Rien de méchant, t'inquiète. Hop là, voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Il fait très lumineux déjà. Là, je regarde la suite maintenant de comment il fait. Je pense qu'il doit avoir un petit coup d'aéro, tu sais. Ah mais c'est des runes ça aussi, ok. Ouais d'accord, ok. Bon ben on n'a pas fini du tout en fait. J'avais pas vu. Mais en fait le bousin il a aussi des runes tout en haut là. Ouais, n'hésite pas à l'appeler demain. Bon, et toi, Color, comment va ta petite femme? Salut Piu Piu! Comment vas-tu? Je demandais comment allait ta femme.
commence à avoir mal au cervical, moi. Hey, they have been here. Bon, ça va alors. Tant mieux, je suis content. Je suis content que ça aille bien. Bon, l'aéro, ça sera pas pour ce soir. On est pas trop mal, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait vraiment, quand je regarde à l'écran, on dirait vraiment que la, son armure, elle est allumée, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bon, on va commencer. On peut faire du NMM encore. On a encore des tuyaux à faire là. Allez, on va attaquer la hache. The fire's in the eyes, what I do everything, so beat it. Just beat it. Lord, I want to be defeated. Yeah. Je reviens, j'ai laissé ma bouteille là-bas.
Comment ça va, Conrad, depuis tout à l'heure? Ah, on va pouvoir mettre ça du coup maintenant. Par contre, ça, je comprends pas comment ça se met en fait. Ah ben c'est comme ça. Ah nice. Nous on est à jour. Nous. On est à jour avec ma petite femme. Shogun. Living out of my mind. Living out of you between us. Je suis en train de me demander, est-ce que, oula, bon, on va arrêter de forcer. Hein. Est-ce que, j'ai pas le crâne. Est-ce que, bon, déjà, je sais pas ce qu'il voit, rien du tout. Mais. En fait, là, je me pose la question de l'aéro sur les runes, parce que du coup, ben non, c'est comme ça la tête. Non, en fait, t'as un téton à l'intérieur, du coup, elle est dirigée comme ça. Il voit quoi, à moitié. Ouais, je trouve aussi, ouais, mais en fait, non. Comment il s'appelle? C'est l'archiviste, hein, c'est ça? Non, regarde. Ah merde. Ah, j'ai vu. Ouais, je trouvais aussi, mais en fait, non. Pourquoi ils font des tuyaux jaunes? Ah ouais, putain, il est vachement moins bleu que le mien, hein. Ouais, je me demande si c'est bien que je fasse l'aéro en fait. Du coup, je suis pas sûr en vrai. Parce que tous les petits points là, toutes les bulles en.
Ouais, faut que je regarde la vidéo de El Miniaturista, voir comment lui il a fait. Elle est super belle sa figurine. Du coup, j'aimerais bien m'en inspirer, tu vois. J'aimerais bien m'en inspirer. Et moi, je ferais des trous, des morceaux, des bouts de peinture là noire, là, des gouttes de peinture noire pour simuler le trou, parce que à chaque fois que je perce pas droit. Je vais garder le... Ça, je ferme. Je vais garder, du coup, hop, bim, voilà. Je vais garder la photo. Comme ça, je serai bien. Quelle heure se fait-ce ? 22h30. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que je vous cache pas, j'ai un petit mal de crâne. Zek, t'es en vocal ou pas ? Ah, c'était encore là, bien sûr. Du coup, hop, bienvenue Abyss sur le Discord. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Demain soir, pas de live parce que je suis à l'association. Donc, on va jouer à peut-être Marvel, peut-être. Peut-être Warcry. Tiens, ça peut être cool, une petite partie de Warcry. Et sinon, on se retrouve mercredi pour la suite de notre archiviste. D'ici là, je pense que j'aurai pris plus de références en matière de. Voilà, enfin, du moins pour la suite. Merci infiniment en tout cas d'avoir tous été là ce soir, c'était bien 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 agréable. On se retrouve donc demain soir, mercredi soir à partir de 20h sur cette chaîne toujours. Et on va continuer l'archiviste. Ensuite jeudi, on fera du Slave to Darkness. Et vendredi et samedi, on peindra Rocco. C'est une figurine que je présente pour l'Octopainting. Donc un concours de peinture nationale. Voilà. Merci infiniment. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous souhaite une excellente nuit. À ciao!